mes beignets de pain rassis au fromage. Hyper facile, 3 ingrédients. Du pain, du fromage râpé, du lait chaud et 1 à 3 œufs. C'est très simple, on va rajouter le lait chaud, vous pouvez rajouter aussi un peu d'eau pour ramollir le pain. Ensuite, on va le malaxer pour en faire une pâte, rajouter du fromage râpé et 1 ou 3 œufs. C'est à vous de voir selon la quantité du pain. Puis ensuite, on mélange tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. Cette recette est inratable, donc la quantité, c'est comme vous voulez. Une fois que la pâte est bien collante, on va faire des boulettes. Bien sûr, vous les faites grosses, moyennes, petites, ça dépend de votre appétit. N'hésitez pas à mouiller votre main si la pâte colle. Puis dans une poêle, on met de l'huile à chauffer et on va déposer nos boulettes. C'est super rapide, c'est super facile. À peu près 3 minutes de chaque côté jusqu'à ce que ça dore. Une fois que c'est bien doré, on les retourne. Vous pouvez les faire plus ou moins cuites. Comme je vous l'ai dit, c'est inratable. Voici mes boulettes, elles ont une très belle coloration. Moi, je vais stopper là. Elles sont belles et en plus, ça sent très bon. C'est une recette que vous pouvez accompagner avec différents plats, que ce soit en sauce ici, des petits pois carottes. Vous pouvez l'accompagner en salade avec du poulet. C'est délicieux, recette à tester.